La PDG canadienne Nathalie Baval, bonsoir. Salut Lydie, million et demi, bonsoir Maxi Kamta, Inhop. Inhop, il y a toujours, toujours et toujours des terrains au diable. Toujours. Bonsoir Eddie Zara, Frank Kevin. Christine Cosseni, je n'ai pas vu les écrits. Ah, le terrible. Tu es en direct ou quoi? Ouais, je suis en direct, c'est comment? Vous jouez à quoi même? On s'est abonné ici. Ah non, arrêtez-moi votre film là. Okay. Arrêtez ça. Comportez-vous. Ok. Bonsoir, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Viens faire bisous à papa. Ouais. Je ne voulais pas trop monter sur le tapis. Ça va. Il y a la forme. Comment c'est? Grand, vaste, plus beau. On doit vivre dans de grands cadres. Non, 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 franchement. Je reçois beaucoup. Bon, sauf que j'ai réduit. Non, là, c'est. J'ai jeté tous les amis égoïstes, avares, méchants, jaloux, haineux, tout ça. J'ai rétréci mon cercle pour vivre en paix comme je suis là aujourd'hui. C'est le plus important. Delphine Yomi, maman Jaguar arrive. Elle est en train de servir à manger aux étrangers. Elle a la cuisine, non? Il y a aussi Lorraine qui vient d'arriver là. Lorraine? Lorraine, lumière divine. Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nicole. Ok, on va parler ce soir. Christine Cossoni, est-ce que je pourrais copier le téléphone là? Il faut m'écrire en inbox. Bonsoir Michel. Je suis en direct, viens me faire bisous, ma fille. Ma fille, tu es toute belle. Ça va? Ça va, Freddy. Comment tes fesses sont encore sorties? J'ai dit comme que mon père s'est sorti jusqu'à. C'est sûr que les gars font mal. Tu sais, nous les parents, on a ce problème. On a mal quand on voit les gars avec nos filles. Les gars font mal dehors. Sinon, ça va. Ça va, bien voyager. J'ai bien voyagé. D'accord, tout à l'heure. Je viens de m'en. Bon, bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous dire, je suis un peu très préoccupé. Bon, je l'ai été, parce qu'il y a des situations que lorsqu'on voit, on se pose des questions. Et lorsque les questions sont nombreuses, on se bat pour essayer de trouver des éléments de réponse. Vous avez assisté tout comme moi depuis quelque temps. Il y a des acharnements, il y a des lynchages qui se passent sur la toile. Ça va dans tous les sens, de part et d'autre. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur des gens, des qualificatifs qu'on donne aux gens. Qui ne peuvent pas être justifiés. Donc, sans justificatif, les gens se lèvent un matin, te collent une étiquette juste parce que Facebook existe. Les gens disent du n'importe quoi, juste pour sacrifier certaines personnes, juste pour disqualifier, parfois pour essayer de nuire à l'image de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt de ces personnes. Parfois, on conclut que c'est des gens qui grandissent avec la haine dans le cœur, des gens qui n'aiment pas les autres. Par moments aussi, on se dit peut-être c'est des gens qui ont beaucoup souffert comme moi et qui parfois veulent
se racheter en essayant de faire du mal aux autres. Mais nous aussi, nous avons beaucoup souffert. Mais nous sommes restés zen. On ne fait du mal à personne. On pense aux autres. Bonsoir Amazon. Je vais te prendre en direct tout à l'heure. Notre artiste. Donc, il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, il y a des gens qui se font payer même avec quelques biais pour essayer de salir l'image des autres. C'est vrai que le Seigneur parvient toujours à tout faire pour blanchir ceux qui sont blancs, pour remettre la vérité aussi. Lorsque il y a des mensonges qui sont dissus des gens, il y a des choses que certaines personnes disent, ils ne savent pas la porter. Des choses qui sortent parfois de certaines bouches où les gens se lèvent parfois de leur lit le matin et se mettent à raconter des inepties sur les autres. Et je tiens à vous rassurer que parfois on peut dire je pardonne. Mais le pardon est aussi lourd, surtout lorsqu'on a été blessé au plus profond de sa chair. Donc moi qui vous parle, il y a des gens avec lesquels pour rien au monde je ne peux plus partager un plat, un repas, je ne peux plus m'asseoir avec eux. Mais on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, mais juste parce que tu as dit quelque chose de grave qui touchait à ma personne, qui touchait par exemple à mon business. Je ne sais pas comment je pourrais, parce que moi, l'hypocrisie, je ne connais pas. Je ne connais pas dire, voilà, je te pardonne comme les uns, voilà, je suis déjà bien avec toi alors que je te garde en cœur, non. Quelqu'un qui s'attaque à mon business ne peut pas être mon ami, parce que je sais comment est-ce que j'ai souffert pour monter ce que j'ai monté aujourd'hui. Donc, pour rien au monde, tu ne vas te placer devant les réseaux sociaux, dire des conneries sur ma personne. Là, je peux encore accepter, mais attaquer mon business, attaquer ce qui me nourrit et me dire demain, voilà, Prézi, on est des frères, on est une famille, il faut pardonner. C'est trop facile de dire pardonner, pardonner. Mais le pardon aussi, parfois, ça se mérite. Il faut apprendre à respecter les gens, apprendre à contrôler ce qui sort de nos bouches. Bon, il y a aussi... Je ne dis pas qu'il y a des paroles qu'il ne faut pas pardonner, il y a des gens qu'il ne faut pas pardonner. Il y a des gens qui disent juste dans la colère aussi, ou bien parce qu'ils veulent faire du buzz. C'est là qu'ils veulent faire du buzz, on ne doit pas considérer ces paroles. On doit mettre ça dans le cadre du buzz. Parce qu'il y a des gens, on les connaît sur les réseaux sociaux, qui viennent là, qui disent des choses juste pour animer la galerie, qui sont même des comédiens. Cela, on ne doit pas prendre leur parole en considération parce qu'on doit toujours se dire, voilà, on met ça dans le registre des gens qui font le buzz, des gens qui sont là pour nous animer, pour nous faire rire parce que, comme on sait, surtout pour nous qui vivons en Europe, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de problèmes. Le quotidien d'abord est trop lourd, ça pèse. Donc, s'il y a une activité ou bien quelque chose qui peut nous permettre de nous divertir, comme nous sommes en train de le faire là actuellement, vous êtes nombreux à me regarder. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. On doit rester sur ça. Donc, on doit classer les gens par catégorie. Mais il y a certains qui viennent sur le net avec l'esprit de haine, des gens foncièrement méchants. Et ces gens-là, moi, je ne les pardonne pas. Parce que je me dis, les actes que ces gens posent avec l'envie de nuire ne méritent pas mon pardon. Parce que quand tu fais des choses avec l'intention de nuire à ma personne, je ne te pardonne pas. Mais si tu viens justement ou forcément pour faire du buzz, comme certains le font sur le net, je peux te pardonner parce que je me dis, voilà, tu as besoin d'audience, tu as besoin de... Bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc à cela, je demande souvent de pardonner.
il faut les pardonner parce que certaines paroles, peut-être dans l'obèse aussi, certaines paroles peuvent sortir de manière involontaire et ça cause préjudice à l'autre. Et là, il peut avoir réparation parce que on se dit dans l'obèse, la personne a dérapé, la personne a commis une bêtise et ces bêtises sont pardonnables. C'est pas avec la haine, c'est pas avec l'intention de tuer, mais c'est avec l'envie de faire l'obèse. Et lorsque ça se passe de cette manière, moi, je pardonne. Je pardonne. Donc, si vous avez constaté, il y a des gens que moi, personnellement, je ne peux plus approcher. On va beau dire, président, il faut pardonner, il faut faire ceci. Mais c'est lourd. C'est lourd. On ne s'attaque pas au business de quelqu'un qui a souffert, de quelqu'un qui a pris la route pour venir en Europe, qui a nagé pour entrer en Europe, qui a monté ses business par point. Non, c'est impossible. Ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas le prix de la souffrance, qui ne connaissent pas la douleur que tu as endurée. Mais des paroles qui sortent uniquement dans le but de divertir, le but de faire rire, on doit pardonner. Donc, je profite ici pour parler du cas, par exemple, de Fleur de Lille et de Longuet. Honnêtement, ces deux personnes, franchement, quand tu les écoutes, ce pas des personnes méchantes. Elles ne sont pas méchantes. C'est des gens qui ont pour but de faire le show. Ils aiment le show. Longuet dans son couloir, en tant qu'artiste, il fait le show. Il fait son show. Il a commencé à faire son show. C'est vrai que dans son show qu'il faisait, il y a eu beaucoup d'écarts, beaucoup d'égarements. Bon, parfois aussi, on peut s'emporter parce qu'il y a eu une mauvaise parole qui est passée à côté. Ou bien il y a quelque chose qui a surpris sa ligne, et puis on se retrouve un peu hors du chemin qu'on s'était tracé. Donc, pour Longuet, moi, j'ai pris mon temps, je l'ai étudié, je l'ai beaucoup observé, j'ai compris que ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui sort des paroles, comme on dit, ça sort comme ça sort. Il avance souvent certaines paroles, mais je suis sûr que quand il blesse quelqu'un, après, il regrette. Il regrette toujours. Il regrette pourquoi? Il regrette parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant, parce que c'est quelqu'un qui aime parler. Il aime parler. Et vous-même, vous l'avez constaté, il n'y a pas très longtemps, Longuet, il était, on peut dire, un peu dans l'ombre. Ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, il a fallu qu'il fasse ce buzz pour revenir sur la scène. Il a fait son buzz. Ça a pris, ça a marché. Ça a marché. Il a fait aussi quelques erreurs. Il a fait des erreurs. On a vu beaucoup d'erreurs. Mais moi, quand je parle avec lui, je ne sais pas ce que d'autres parlent avec lui. Je ne vois pas la méchanceté en lui. Je vois quelqu'un qui avait besoin de faire son show pour revenir sur la scène et qui s'est retrouvé avec quelques petites erreurs. Et il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations, et ça fait ce que ça fait. Et donc aujourd'hui, il s'est retrouvé un peu dans des situations pas très confortables avec ma fille Fleur de Lille, avec qui il s'entendait super bien il y a quelque temps aussi, vous tous vous avez vu. Ils s'entendaient très bien, ça allait super bien, ça a commencé aux États-Unis. Et là, il y a eu beaucoup de paroles qui sont passées, beaucoup. Moi-même, j'ai vu une fois, parce que, vous savez, on est tous sur l'honnête, mais moi, je ne parcours pas trop l'honnête. Moi, je me concentre beaucoup plus sur ma page, parce que je n'ai pas assez de temps d'aller visiter partout. Mais lorsque ça vient, je regarde. Parfois, on m'envoie aussi des trucs. Voilà, président, voilà qu'est-ce qu'on a dit, voilà ce qui se passe, voilà ça. Et puis moi aussi, j'analyse.
Je ne me lève pas directement pour réagir de manière agressive et tout. Il y a des choses qu'on m'envoie, ça me blesse. Après, je me dis, bon voilà, la personne a dit c'est passé. Parce qu'on connaît les histoires du net, on connaît comment ça fonctionne. On va t'insulter une semaine, après ils vont se fatiguer. Parce qu'après, ils n'auront plus rien à dire. Parfois, ils créent, ils montent un tas de trucs, ils inventent, ils versent ça dehors. Après quelques temps, ils n'ont plus rien d'autre. Ils n'ont plus rien parce que ça devient du réchauffé. Il faut toujours créer. Et il y a des gens qui n'ont pas cet esprit de créativité. Et parce que le mensonge aussi, ça n'est pas long. Le mensonge, ça a sa période d'expiration. Et donc, Longueuil, il a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il se retrouve un peu à couteau tiré avec sa sœur, avec qui ils avaient de très bonnes relations, Flore. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Parce que il y a des gens sur le net qui jouent beaucoup de rôles. Il y a ceux qui sont là pour vous accompagner. Il y a ceux qui sont là pour vous aider. Et il y a aussi ceux qui sont là pour vous mettre dans le trou. Parce que ne voyez pas, ce n'est pas forcément ceux qui viennent taper des bons commentaires chez vous qui vous aiment. Il y a beaucoup qui viennent et tapent des bons commentaires juste dans l'optique de vous envoyer dans le trou. Ils vous poussent à bout, ils vous envoient des choses qui vont vous blesser. Ils vous amènent à dire ce que vous n'avez pas à dire. Vous n'avez pas envie de dire, mais ils vous poussent à fond. Et donc ces gens-là jouent un très mauvais rôle. Et ce rôle ne devrait pas exister. Il faut qu'on apprenne à aider les gens. Qu'on n'apprenne pas à envoyer les gens dans le trou. Parce que nous sommes en train de devenir très méchants. Et c'est pas bon. Nous sommes en train de vouloir tuer le génie de certaines personnes. Nous sommes en train de nuire à certaines personnes. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un va voir une personne bien gentil, qui est là, qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de lui dire, voilà mon frère, tu es sur la mauvaise voie, ce que tu devrais faire, c'est ceci. Mais tout ce qu'on trouve à faire, c'est de l'aider à s'enfoncer, c'est de lui dire, non, voilà, tu es sur la bonne voie, il faut tuer, va faire ceci, va insulter, va agresser. Et pourtant, on pouvait amener cette personne. On pouvait lui donner des conseils qui pouvaient changer son comportement. Chouchi, je n'ai pas pris du poids, c'est la télévision. Et donc, moi j'ai beaucoup parlé tous ces derniers temps avec l'anglais. J'ai pris du temps pour parler avec lui, on a beaucoup discuté. Déjà hier, on a beaucoup parlé. On parle des heures entières lui et moi. On discute pendant des heures. On discute pendant des heures. Et ce qui ressort de là, c'est que ce n'est pas une mauvaise personne. Il m'a dit de sa bouche, voilà, président, je suis venu sur les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. Je suis devenu un grand des réseaux sociaux parce que j'ai du monde aussi derrière moi. Moi, j'étais en train de faire le show et beaucoup ont mal interprété. Des gens m'ont insulté. Je ne veux pas citer les noms des gens pour rien. Et lui, il s'est défendu. C'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il se défendait. Peut-être parfois, il se défend maladroitement à la vie de certains. Mais lui n'est pas venu avec de mauvaises intentions. Et donc, il m'a dit, parce que hier, il y a aussi une personne qui a publié une vidéo. Et dans la vidéo, il y avait des conneries où on a mis Flore, sa photo, mais on a mis des voix derrière. Personne ne peut justifier d'où sortent ces voix. Et donc, j'ai appelé Longueuil, je lui ai demandé, voilà. Il y a une vidéo qui circule sur le net, c'est sur ta page. Il m'a dit, président, honnêtement, ce n'est pas ma vidéo. C'est une personne qui gère ce compte. Je ne sais pas
pourquoi est-ce que cette personne... Mais il m'a dit, déjà, un, il ne maîtrise pas l'honnête. Il ne maîtrise pas l'honnête. Il ne connaît même pas publier les photos. Moi, je le crois parce qu'il vient d'entrer. Il ne connaît pas publier les vidéos. Déjà, si on ne connaît pas publier les photos, ce n'est pas monter les vidéos qu'on va monter. Et donc, c'est très gênant. C'est gênant que cette personne arrête parce que ce n'est pas gentil. On ne peut pas encourager la haine. Moi, j'ai comme impression qu'au Cameroun, quand tu fais bien, on ne parle pas. C'est quand tu fais des conneries qu'on applaudit. C'est quand tu fais des conneries qu'on dit, voilà, c'est bon. Tu as très bien fait. Pourquoi ne pas aussi primer l'excellence? Pourquoi quand les gens font bien, vous ne faites pas des vidéos pour applaudir? Longue m'a dit de sa propre bouche. Je lui ai aussi demandé, vous parlez de c'est Pifo, c'est Ngufo, c'est qui là? Pifo. Il m'a dit non, c'est pas Pifo. Que les gens sont en train d'accuser Pifo pour rien. Que c'est pas Pifo qui gère sa page. Qui gère cette page de Longue qui a publié. Il m'a aussi dit, parce que je lui ai aussi demandé par rapport à la photo de Petit Pays qui avait été publié sur cette page. Il m'a dit non, il n'a jamais publié la photo de Petit Pays. Il a ses problèmes avec Petit Pays. Donne-moi mon téléphone là, s'il te plaît. Il a ses problèmes avec Petit Pays parce que Petit Pays, pour lui, c'est un monument, c'est une grande star, mais Petit Pays n'accepte pas aussi que d'autres soient aussi stars comme lui. Et donc, il est un peu fâché, mais il respecte Petit Pays, il aime Petit Pays, il le respecte en tant qu'un grand artiste, c'est son frère, c'est sa personne. Et donc, moi, je voudrais dire ici à ceux qui attisent la haine d'arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu beaucoup de choses sur la toile, j'ai vu des gens qui se sont levés raconter tout. C'est ce que je disais à Longue ce matin, parce que lui, il m'a dit, voilà, président, on a raconté beaucoup de trucs sur moi qui ne sont pas vrais. Et comment est-ce que le monde entier va prendre ces choses? Je lui ai dit, non, Longue, c'est des trucs qui se parlent dans le buzz. Tu ne peux pas prendre ça en considération. Flo peut se lever et dire ce qu'elle veut parce qu'elle se défend. Tu peux te lever, tu dis ce que tu veux parce que tu te défends. C'est ça, c'est la toile. Facebook est là, ça vous a donné l'occasion de dire ce qu'on veut. Chacun se lève et dit, même si c'est des mensonges, quand il y a la guerre, chacun dit ses mensonges de son côté ou sa vérité. Le monde va écouter ce qu'il veut écouter. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre et ceux qui sont intelligents vont pouvoir filtrer la vérité et laisser le faux. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à des conneries qui se disent sur Facebook. Il y a beaucoup de fausses choses qui se disent. Moi, ils ont fait des courriers anonymes ici tout un temps. J'ai été convoqué plusieurs fois à la police ici en France. Ils ont dit combien de fois Kamoud ne peut plus mettre les pieds en France. Ils ont dit combien de fois. Mais ceux qui sont au Cameroun, ils le savent. Je n'ai jamais pris un vol du Cameroun pour la Belgique ou bien pour l'Allemagne, ou bien quand je prends mon vol en Simalène, c'est pour Charles de Gaulle. Et il n'y a personne qui peut atterrir ici à Charles de Gaulle qui a des problèmes avec la France. Et il ne dort pas. Et je voyage toujours avec ma pièce. Et ils le savent. Déjà au Cameroun, est-ce qu'on voyage encore avec la pièce de quelqu'un? Déjà qu'il y a aujourd'hui les empreintes, tant que tu es parti, ceux qui l'ont fait avant. Depuis quelques temps, on ne peut plus. Donc, il faut que les gens arrêtent. Arrêtez de salir les gens pour rien. Arrêtons souvent de dire, voilà, tel est ceci, tel a fait ça, tel a fait ceci. Vous vous levez, Longue est pédé, Longue est pédophile, Flore, c'est une pute. Comment tu vas appeler une femme pute? Une femme que tu n'as jamais acheté ses services. Une femme que tu ne connais pas. Tu appelles quelqu'un pédophile, il a dormi avec ton enfant. Non, tu le connais où? La justice en Europe, ou dans le monde, la justice peut condamner quelqu'un sur des simples déclarations. Ce n'est pas pour autant
Pour que vous appelez quelqu'un, vous mettez sur la place publique pour insulter quelqu'un, il faut avoir des preuves et des preuves tangibles. Ne nous levons pas le matin pour donner des qualificatifs aux gens gratuitement. S'il est pédophile, qui était avec lui? Personne. Si Fleur prostituée, qui était avec elle? Personne. Donc ne jugez pas. Ne dites pas que tel a fait ci, tel a fait ça quand vous n'avez pas de preuves. Venez nous dire sur la toile que voilà, je suis allé coucher avec Flore, voilà l'argent que je lui ai donné, elle m'a fait la facture. Ou bien voilà longueur, il dormait avec mon enfant, je les ai filmés. Ou bien il a pris une petite fille, j'ai filmé, voici ça. Mais ne vous levez pas pour insulter des gens gratuitement. C'est des grandes personnes, c'est des pères de famille. Il faut respecter leur vie, il faut les respecter. Et en plus, c'est deux grandes personnes, que ce soit Flore, n'en déplaise, malgré tout ce que vous allez dire sur le net, parce que vous êtes toujours en train de dire des choses. Vous faites exactement comme nos grands frères qui sont au pays, qui ont eu la chance d'aller à l'école et occuper des postes, et qui aujourd'hui, quand un garçon se bat en Europe ou une fille arrive au pays pour investir, on traite directement de prostituée ou bien on classe dans le rang de féman, alors que ce sont ces gens qui se battent pour l'économie du Cameroun, qui se battent à l'étranger pour venir aider le Cameroun. Mais dès que tu vas arriver sur le fait, on dit c'est un féman, c'est un ceci. Un féman dépasse un détourneur. Si quelqu'un qui se place, qui est assis au Cameroun, qui détourne l'argent du Cameroun, et celui qui sort à l'étranger se bat pour ramener au Cameroun, qui est mieux? C'est celui-là qui est mieux. C'est celui qui va chercher à l'étranger pour venir aider son pays. Hein? Donc arrêtons souvent d'insulter les gens pour rien, de dire des choses sur des gens gratuitement. Apprenons à respecter les gens. Apprenons à respecter. Respectons Longuet, c'est un grand monsieur, c'est notre artiste. Il nous fait rêver, il fait beaucoup de grandes choses pour nous. Respectons Flore, c'est une fille, elle est en Europe, elle s'est battue, elle s'est débrouillée, elle a construit ce qu'elle a construit. Ça aide beaucoup de gens. Dès qu'on va parler, vous allez dire, ce n'est pas des exemples pour la société. Oui, c'est des exemples. Parce qu'ils se sont battus, ils sont sortis, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, s'il faut dire que ce ne sont pas des exemples parce qu'ils insultent, oui, là, je suis d'accord. Ce n'est pas des exemples, ils ne doivent pas insulter. Mais en tant que personne, c'est des gens bien pour la société parce qu'ils se sont battus et ils ont fait, on a vu. Longuet a construit, il a mis par terre, Flore a construit, elle a mis par terre. On ne veut pas. En Europe, on ne demande pas à quelqu'un que tu fais quoi. En Europe, on cherche seulement à voir ton bilan. On veut voir ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait dans ton pays. Et ces gens ont fait des choses dans leur pays. Donc arrêtons les grâces, arrêtons de salir nos frères. Arrêtons. Chacun est dans son couloir. Chacun est dans son domaine. Chacun se bat pour lui. Demandons-leur juste d'arrêter les injures, d'arrêter de dire n'importe quoi. Donc voilà, il ne faudrait pas que on se mette toujours en train de, là à dire voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel est ceci, tel est cela. Chacun fait sa chose. Chacun fait son buzz. Si le buzz est de longue marche, laissez-le, il fait son buzz là-bas. Tant qu'il ne dérange personne, ça va, il fait son buzz. Hein? Depuis qu'il fait son buzz, vous achetez, on l'invite partout. Même comme il a parlé aujourd'hui, il m'a insulté, il ne sait pas qui m'a insulté. Hein? Parce que quand moi je parle avec Longuet, il me dit que ce sont les Bamileke qui m'invitent partout, ils me mettent en haut. Quand les Betty m'invitent, ils mettent seulement le carburant. Il oublie que je suis Betty, mais je ne peux pas me fâcher parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour vivre. Hein? Il a besoin de ça. Ben, quand tu dis à un petit que voilà, les petits mettent seulement le carburant dans ma voiture quand je pars chanter. Si c'était vous, vous alliez vous fâcher. Moi, je ne peux pas me fâcher. Parce que je sais que c'est un grand artiste, c'est une grande personne. Hein?
Et j'ai encore rappelé, elle dit, mais longueur, tu dis que nous, on met seulement le carburant. Elle dit, oui, vous les bêtises, mettez vos carburants. Mais c'est notre gars. Donc, il faut juste que Flo et Longueur qui comprennent, qui sont des grandes personnes. Et ils ont beaucoup de gens autour d'eux. Flo là-bas avec ses abeilles, qu'elle demande ses abeilles de laisser. Longueur aussi a sa troupe derrière, il demande sa troupe de laisser. C'est deux personnes bien. C'est deux personnes bien. Ils doivent avancer. Ils doivent avancer. C'est des gens qui font le buzz, qui animent la toile. Avant, je faisais des vidéos tout le temps, des directs tout le temps. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Donc, je laisse l'espace. Je fais mes petites vidéos avec ma famille, je vous publie. Il faut laisser l'espace à ceux qui ont besoin de notoriété. Parce que la notoriété, je l'ai déjà. Et je l'ai travaillé. Oh, ça se travaille. Longueur aussi a travaillé sa part. Flo a travaillé sa part. Parfois on parle, vous nous étourdissez avec vos commentaires. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit plus responsable. Soyons responsables. Aimons-nous. Aimons-nous. L'amour est très bien. C'est très bien. Il y a... Après, je vais essayer de prendre Longueur en direct, si ce n'est pas dans les répétitions du côté de Gabon. Du Gabon, bien sûr. Je vais aussi prendre Flo en direct. Ils vont essayer de nous parler. Il y a aussi Amazon que je vais prendre en direct. Elle est un peu remontée. Elle voulait s'exprimer. Bernadette Kienza, on va écraser Longueur, Longueur. Je dis non. Vous ne pouvez pas écraser un artiste. Longueur aime Flo. Flo aime Longueur. C'est des amis, c'est deux personnes. N'entrez pas au milieu d'eux. N'entrez pas. Ne vous mêlez pas. Laissez-les. Flo vous a dit d'arrêter. J'ai demandé à Flo d'arrêter. Elle m'a dit qu'elle arrête. Longueur m'a dit qu'il n'a plus de problème. J'ai encore parlé ce matin avec Longueur. On a parlé plus de 3 heures de temps. Il m'a dit que, président, tu as ma parole, c'est fini. Flo m'a dit, mon père, tu as ma parole, c'est fini. Pourquoi vous, vous voulez continuer alors que les deux camps sont tranquilles? Expliquez-moi pourquoi vous voulez continuer. On prend une première personne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Président Abos. C'est Président lui-même. Je vais parler en même temps. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est par rapport au sujet du soir. Oui. Vous avez demandé qu'on intervienne. D'accord, allez-y. Mais pas d'insultes, hein. La personne qui insulte, je bloque. Non, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. C'est par rapport à Longueur, Longueur. Puisque vous dites qu'il est devenu une personne s'amuser. On s'amuse en insultant les gens. Donc, on ne s'amuse pas en disant que les gens sont des voleurs. Tu ne peux pas traiter une star. Peut-être comme Susan, parce que moi j'appelle Susan une star puisqu'il nous a donné, il a fait reconnaître le Cameroun avec ce qui est en Belgique, que tout ce qui est en France, il a fait reconnaître le Cameroun. Il ne peut pas se placer sur la toile, il dit que Susan est un voleur. Ça, c'est notre une blague. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Il ne peut pas éviter les peuple qui fait reconnaître le Cameroun partout. Donc, désolé si c'était une blague, et il ne peut pas se placer sur 1, 2, 3 directs, il l'insulte ma faute. Moi, je n'insulte pas, j'ai intervenu puisqu'il a dit qu'il faisait des blagues. On ne blague pas comme ça. Il a coupé le supporte de tout et de rien. On ne blague pas comme ça. Ce n'est pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues, ça. Donc, ce n'est pas d'intervention. Tu ne dis pas qu'il blaguait. Il te dit qu'il insulte les gens, il reconnaît. Mais il s'excuse, pas qu'il blaguait. C'est que tu as blagué en me traitant de tout. Je te mets que mes photos font des trucs, c'est pas une blague. C'est tout ma part d'intervention, merci. J'aimerais bien que tu puisses parler de ça, que ça, ce n'est pas une blague.
Il a tous les vœux prêts, tous les vœux de toute la vie. C'est pour ça qu'il veut tout compromettre sa passion. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Allô? Oui, président. Bonsoir, monsieur Longa Longa. Bonsoir, président. Oui. Bon, là, nous sommes en direct. Il y a tous nos frères qui sont connectés. Et donc, j'ai demandé qui est la paix et tout le monde est d'accord pour la paix. Quelle paix? Quand on dit que j'ai vendu la drogue, ça va arranger quelle paix? Quand on dit que je suis pédé, ça va arranger la paix? Dites-moi. Qu'elle continue à dire que je vends la drogue. Laissons ça comme ça. Je vends la drogue, je suis pédé, je suis pédophile. On m'a enculé en prison. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est fini, Longa. J'ai expliqué. C'est des paroles du net. Hein? C'est le buzz. Ça s'est coupé. Non, mais tu as parlé avec lui. Et pourquoi maintenant encore? Ok. Les gens ont amené jusqu'à mettre Pifo Longa. Non, mamie Nano, c'est rien. C'est rien. Longa, calme. Il n'y a pas de souci. Ouais, présent. Ouais, mon frère, Longa. Oui, on comprend. Tu m'as déjà expliqué tout ça depuis hier, depuis ce matin. Mais tout le monde entier, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Le monde entier sait que tout ça, ce sont des paroles pour faire le buzz. Je ne serai jamais l'ami de Flore. Je n'étais pas l'ami de Flore quand je suis allé aux États-Unis. C'est Ndjanjo qui a invité Flore pour faire la communication de son spectacle. Elle n'était pas la communicatrice de Longue Longue. Elle était la communicatrice de Ndjanjo. C'est Feyo Eric Gaëtan qui m'a appelé de Londres pour me dire que prends la fille là qui est là au sérieux parce qu'ils étaient les abonnés du net. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est là où je lui ai même dit qu'on m'a appelé de Londres, Feyo Eric Gaëtan de Londres industriel, le garçon de Bana, avec sa femme. C'est eux qui m'ont appelé, dit que non négligé dans Oumaoué de Foyakonasso. Tu comprends, hein? Oui, c'est comme ça que j'ai donc commencé à sympathiser, collaborer. Des choses que j'ai dit sur le net, parce que si tu veux clasher quelqu'un, utilise quand même des propos qui sont vrais. N'invente pas des trucs pour le lancer devant la verdict populaire. Dis que le gars consomme la drogue alors que je ne fume même pas. C'est-à-dire, il y a des choses qu'elle ne pourra jamais réparer et on ne peut pas lui qu'on fasse la paix quand elle a déjà dit tout ce qu'elle a dit. Mais Longa, je ne fais que ça reste comme ça. Longa. Je ne fais aucune paix. Je ne fais aucune paix avec elle. Qu'elle reste, qu'elle continue avec sa bande de team, de ceci, cela, qu'il continue. Si la prison ne m'a pas tué, c'est ma faute qu'il va venir me tuer avec sa bande. C'est si la ça, prison, les magistrats français ne m'ont pas détruit, est-ce que c'est fort qui va venir me détruire avec sa bande? Elle a dit que je l'ai insulté. Je l'ai insulté que quoi? J'ai dit que ceux qui ont échoué dans le monde réel vont réussir dans le monde virtuel. Hein? Pourquoi qu'on pressionne ne se lève pas pour dire que toi aussi tu m'as inversé? Ou alors le Sonja. La seule personne qui se lève, c'est Flore. Donc c'est Flore qui commande Internet. Parce qu'elle a une bande derrière elle, que si tu parles, on va commencer à t'insulter. Bon, moi, j'ai déjà tout vu dans ma vie. Et moi, je n'ai pas envie d'être l'ami de Flore. Je ne serai jamais son ami parce qu'on ne partage rien ensemble. Qu'elle continue à dire que je consomme la drogue. Un Sénégalais m'a violé en prison.
Tu comprends, hein? Je ne suis pas entré aux États-Unis avec mon homme, c'est un faux papier, je suis un pédophile, je suis... Bref, tout ce qu'elle a dit, j'ai dit que j'ai lancé la chaude piste à petit pays. C'est elle qui... Ce sont ses propos, hein? Maintenant, vous venez me dire qu'on fasse la paix, alors qu'elle vient de commettre un crime. C'est trop grave. Mais, elle est allée trop loin. Mais longueur. Oui, président. Mais quand on a parlé, tu m'as dit dans ta bouche qu'il n'y a plus de problème, non? Président, il n'y a plus de problème, on laisse tomber. Tu m'as dit que, Longa, il faut laisser l'affaire là comme ça. Je suis d'accord qu'on laisse tomber. Tu lui as dit qu'elle arrête de clasher Longa. Tu as dit à Longa que Longa laisse tomber. Je laisse tomber. Et elle aussi, j'ai appris que dans ses propos hier, elle a dit que ceci, c'est là. Mais quand tu as dit qu'on fasse la paix, on ne peut pas faire la paix. Vous comprenez? C'est tout. Moi, je ne parlerai plus d'elle. Tu m'as dit que vraiment, qu'on laisse tomber. Vraiment, les problèmes ne sont pas bien. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Que je ne parle plus d'elle. Mais dis que je fasse la paix avec elle. Je ne fais aucune paix avec elle. Aucune paix. Parce qu'elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. C'est-à-dire, le genre qu'elle invente les choses, même si ça te détruit, même si... Flo a détruit beaucoup de vies de gens en France et dans le monde entier. Beaucoup. Beaucoup. Parce que même s'il faut parler, il faut parler les choses avec les preuves. Il ne faut pas inventer les choses pour détruire les gens. Il ne faut pas inventer les choses qui n'existent pas. Vu que j'ai lancé la chaude piste à petit pays. Flo, tu as quelle preuve que j'ai lancé la chaude piste à petit pays? Pourquoi tu es criminel? Il ne faut pas être criminel. Il ne faut pas être criminel, président. C'est des propos très, très graves. Oui, mais Longuet, on considère tout ça comme le beurre, c'est l'honnête. Et quand on décide d'être en paix, on ne revient plus sur des choses qui ont été dites. Il faut juste oublier ça et avancer. Je fais la paix avec moi-même. Je t'ai dit, moi-même qui te parle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, sur l'honnête, que certaines personnes stupides ont cru à ça. Mais c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que c'était des conneries juste pour animer la galerie. Parce que le remède du mensonge, c'est le temps. Moi, je ne ferai pas la paix. Je t'ai cité trois personnes. J'ai dit qu'on ne m'avait jamais traité de pédé. Même quand Amourou Beringa sortait Amourou Beringa de Vision 4, du journal Anecdote, quand il a sorti le journal des 50 pédés ou pédophiles du Cameroun, après il a sorti les 100. Il avait cité les mamies du Bangolais, Yannick, non, à tout le monde, n'avait jamais cité Longa dedans. La personne qui a commencé à me traiter de PD, c'est Lady Ponce. Vous comprenez, hein? C'est Lady Ponce qui a commencé à me traiter de PD, dit qu'on m'a violé en prison. Dit qu'on m'a déshabillé à Konolinga. C'est Lady Ponce qui a commencé ça. Et je dis qu'il y a des criminels à col blanc. Parce que vous êtes là tous les jours, vous embrassez les gens, vous dansez avec eux sans savoir que c'est des gens qui peuvent commettre des crimes. Voilà, il ne faut pas tenir des propos. Moi qu'est-ce que j'ai dit de Lady Paul? J'ai dit qu'elle m'a promis l'argent, elle ne m'a pas donné. Qu'est-ce que Florent a dit que j'ai attaqué Lady Paul? Lady Paul n'a pas nié qu'elle ne m'aurait pas promis l'argent. Est-ce que Lady Ponce a nié à Vision 4? Elle a dit qu'elle n'a pas nié que c'était d'accord. Mais c'est les gens qui lui ont dit qu'elle ne doit pas mélanger son image à quelqu'un qui a insulté une femme, ceci, cela. Alors, Flo, maintenant, se met, elle dit que c'est la femme de ton frère. Tu ne dois pas l'insulter. Lady Ponce, ceci, cela. Et Chop Chop, c'est mon cousin. Mais quand Chop Chop l'insultait il y a 12 ans, chez Equinox, Flo était où? Elle était en France ou aux États-Unis ou à Douala, elle était où? Quand tu as commencé à me dénigrer depuis il y a 12 ans, elle vient, elle achète les problèmes parce qu'on a vu qu'il y a une personne sur le net, que le jour qu'elle se décide sur toi, elle te détruit. Mon frère, moi je ne perds jamais mes combats. Je ne perds jamais mes combats, je suis sûr de moi. Parce que je travaille avec Dieu. Flo est allé trop loin. Maintenant, comme elle a sa bande de gens sur Internet, qui pensent qu'ils sont incontournables. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne m'affecte pas. Hein. Ne m'affecte pas. Mais Longueur, ce que tu dois savoir, c'est que quand une personne a parlé et que la personne décide de ne plus parler, ce qui parle maintenant à côté, ce n'est plus elle. Moi, j'ai parlé avec toi. J'ai parlé avec toi depuis hier. Tu m'as dit, président, voilà, c'est bon. Ce matin encore, on a parlé. Tu m'as dit qu'il n'y a plus de problème. Quand on dit qu'il n'y a plus de problème, on ne revient plus.
Président, oui. Je t'ai dit que moi, je ne parlerai plus d'elle. Que je ne parlerai plus jamais de Flore. J'ai même d'abord refusé, j'ai refusé ça d'abord, que je ne veux pas faire ça. Bon, j'ai dit que pourquoi pas. C'est pas grave. La paix vaut mieux que tout. Voilà, c'est ça. Vous comprenez, hein? La paix vaut mieux que tout. Mais comme je dis, quand Flore dit qu'elle a fait ma promo, c'est comme ça que je la paye. C'est pas moi qui invite Flore. Parce que je demande à Jean Joko, mais elle est venue faire quoi? Il dit que c'est lui qui a payé le billet d'avion. Il dit que mais tu as payé le billet d'avion, elle est artiste, elle chante. Il me dit que non. Souvent, on appelle le billet d'avion, on lui paye même un cachet. Moi, je n'étais pas sur Internet pour savoir qui est Flore. La fille de ma mère. Je n'étais pas sur Internet. C'est comme ça qu'il dit que mais tu lui as payé le billet d'avion. Il me dit oui. Mais quand elle vient dire qu'elle venait travailler pour moi, non. Il faut qu'elle rectifie ses mots. Elle travaillait pour Ndjanjo. Elle n'était pas la communicatrice de Longue Longue. Elle était la communicatrice de Ndjanjo. Donc moi, je n'avais rien accepté avec elle. Et je t'ai dit aujourd'hui que si Dieu aide, je reviens en France. Partout, on va m'inviter. Si on invite Flore, je ne chante pas. Ça veut dire que le gars qui m'invite, comme Ndjanjo m'a invité là, s'il invite Flore, je dis que je ne chante pas. Mais que tu, je me mélange pas à elle. Mais tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un et dire que tu ne te mélanges pas à Longueur. Quand on fait la paix, on oublie. Que je ne me mélange, je ne fais pas la paix. Je dis que je ne fais pas la paix avec elle. Mais j'arrête. Comme tu as dit qu'on arrête la guerre. Qu'on arrête la guerre parce que c'était la guerre déjà. Flore est allé trop loin. On m'a envoyé ses photos, je fasse. On m'envoie ses images, je fasse. On m'envoie, je t'ai dit que le gars qui a mis son profil. Si Longue Longue, Simon, ce n'est pas moi. Je ne sais même pas comment prendre les photos pour mettre sur le profil. Je ne connais pas. Je ne suis pas un adepte d'Internet. Ça ne fait pas longtemps que je suis sur le net, président. Ça fait quelques mois que je suis là. Oh, Longue Longue, tu as un PD. Assume. Tu as dit que Mini Mina a une belle bouche. Mini Mina a une belle bouche de PD. Oui, il a une belle bouche de PD. Tu comprends? Ça veut dire que je suis un PD. Il faut que j'assume. Elle m'a traité de tout. Est-ce que tu crois que je peux faire la paix avec cette fille-là, regarder dans les yeux? C'est que c'est l'hypocrisie, président. Oui, mais c'est que c'est l'hypocrisie. Longue, c'est ta petite sœur. C'est ta petite sœur. Non. Vous avez partagé des choses ensemble. Vous êtes tous deux dans le showbiz. Donc, il faut essayer juste d'être compréhensif. On n'a rien partagé, président. Il faut être clair, on n'a rien partagé. Django nous a sorti une fois, on est allé dans un mardo américain, elle a fait le direct. Elle dit que j'ai rencontré une folle, je suis allé dormir avec la folle. Que je couche avec les folles. Ceci, cela. Tu comprends? Elle a dit, alors que moi j'ai sorti l'argent dans ma poche, j'ai donné à cette mendiante. Comme il y a les mendiants à Paris, au Cameroun, partout, qui est venu nous demander de l'argent. Moi j'ai sorti l'argent, j'ai mis l'argent comme les gens de Mbeng. N'ont plus pitié des clochards. Moi, je venais d'Afrique. J'ai mis la main dans la poche. J'ai donné l'argent à cette femme américaine. On est parti. Flore dit que j'ai pris la folle, je suis allé dormir avec elle. Donc, elle peut inventer tout. Dis que tu as même tué quelqu'un avant-hier pour qu'elle te livre à la verdict populaire. Longue. Alors, oui, président. S'il te plaît, je te reprends dans 10 minutes, le temps que tu baisses un peu. S'il te plaît. Non, merci. Merci, bonne soirée. Je ne décocherai plus. Merci. Attends un peu. Si vous insultez, bloque. S'il te plaît, prends-moi plutôt en vidéo là. Je vais parler en vidéo. Je veux qu'on me voie quand je parle. Il faut que tu me prennes en vidéo. Je t'ai envoyé la belle vidéo, la demande. Il faut que tu cliques pour accepter. C'est un petit truc vert. Ah, ok. Oui, je vais
Voilà. Alors. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la team. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la mer américaine. Bonsoir. Bonsoir à l'armée de terre, Merci l'armée de beaucoup. l'air, les abeilles. Bonsoir la team PDJ. Bonsoir à tous ceux qui protègent la reine mère dans le virtuel, tous ceux qui me protègent de nuit comme de jour. Bonsoir à tous les soldats. Voilà. Président Maud, pardon, arrêtez d'abord l'autre téléphone là, ou vous éteignez d'abord l'autre téléphone qui sonne trop là. Parce qu'on veut parler un truc qui est très Vas-y, important. ça va fonctionner. Les gens écoutent. Voilà. Donc,